Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café. On se retrouve en ce 16 février pour à peu près toujours la même chose, à savoir un condensé de l'actu dev et tout ça en à peu près 10 minutes. Et aujourd'hui, je vous préviens, il va y avoir beaucoup de Google, avec notamment de l'Android, du Flutter, du Gemini, des problèmes de SEO et même des nouveautés côté DMA, donc vous voyez, beaucoup, beaucoup de Google. Là-dessus, et comme d'habitude, on enchaînera avec les actus en bref et les actus plus dev. Et aussi, comme d'habitude, là en intro, j'enchaîne toujours avec une petite anecdote, et donc en l'occurrence, je vais vous faire celle d'hier. Et il se trouve qu'hier, il y avait pile poil 15 ans que Caramel et Multimania étaient fermés. Et juste pour rappel, si vous ne connaissez pas, Caramel c'était un webmail très populaire dans les années 2000, et Multimania c'était un hébergeur et à peu près sur la même période. Donc voilà pour ma petite anecdote, et aussi j'en profite pour vous dire que normalement demain il y aura aussi une vidéo, parce que vu que j'ai pas été très régulier cette semaine, mais en fait je vais me rattraper d'une certaine manière demain. Donc voilà, cette intro était un peu trop longue et on va l'arrêter tout de suite parce que cet épisode il commence tout de suite. Pour commencer, j'imagine que vous avez déjà fait une mise en prod, et bien rassurez-vous, ça arrive même aux meilleurs, et ici on va voir que c'est arrivé à Google et à Facebook. Et déjà, on va voir ce qui s'est passé avec Facebook, et ça concerne leur appli pour les iPhones. Et pour ça, a priori, les utilisateurs se seraient plaints qu'en scrollant, on entendait des bruits d'oiseaux, vous savez, façon gazouille. Et en fait, même c'était plus qu'une impression, parce que carrément le directeur de la communication de Meta a dit que c'était un problème technique. Alors en attendant, la solution c'était carrément de désactiver tous les sons de l'appli. Mais donc vous voyez ici, ça semble être un test qui a été oublié juste avant de passer en prod, et ça, à mon avis, ça vous dit quelque chose. Ensuite, vous savez que j'aime moyennement vous parler de rumeurs, et en l'occurrence, j'ai eu raison, parce que si vous avez lu les sites Android, la première développeur preview d'Android 15 devait sortir hier, et en plus ça tombait bien, parce que hier c'était le 15 février, pendant qu'Android 15. Sauf que vous voyez, il n'y a rien eu, et tout ça s'appuyait sur un commentaire qui avait été publié sur AOSP. Par contre là, je voulais pas juste vous dire « Oh regardez, cette rumeur elle était fausse », parce que quand même, l'an dernier, la Developer Preview, elle était sortie le 8 février, donc quand même, ça sent une sortie imminente. Et par contre, attention, ce sera juste une Developer Preview, et les API stables, elles sont plutôt généralement en juin. On enchaîne toujours avec Google, et vous savez, ils sont un tout petit peu en mode « faites ce que je dis, pas ce que je fais », parce que niveau SEO, c'est quand même eux qui dictent les lois. Et pourtant, la semaine dernière, ils ont fait une grossière erreur. Alors pour ça, il faut donc revenir à la semaine dernière, où Gemini a remplacé Bard, et parmi les fonctionnalités du chatbot, il est possible d'exporter une conversation, et ça sous la forme d'un lien. Et par contre, par défaut, tout est bien privé. Sauf que ces liens se sont retrouvés sur d'autres sites, et que les robots de Google et de Bing les ont suivis, et les ont donc indexés. Et pourquoi? Parce que tout simplement dans le robot.txt, il était indiqué qu'il était possible de suivre et donc d'indexer ces liens. Alors le fixe a pris 5 minutes, mais pendant ce temps-là, on retrouvait des conversations bien privées dans les résultats de la recherche. Donc comme qu'il dirait, ça le faisait moyen-moyen. Et donc finalement, comme tout à l'heure avec Facebook, eh bien vous voyez que les erreurs arrivent même chez les plus grands. Encore et toujours chez Google, vous savez que les moteurs de recherche sont aussi soumis au Digital Market Act. Et en fait, quand je dis les, eh bien, il n'y a que Google, parce que Bing a été exempté là il y a quelques jours. Et il se trouve qu'hier, ils ont montré en quoi consisteraient les changements. Et donc déjà, dans les résultats, il y a parfois des carrousels de résultats, typiquement quand vous cherchez un hôtel ou alors quelque chose à acheter. Et l'idée ici, c'est de se débarrasser de Google Shopping et de Google Flights pour avoir des résultats plus neutres. Donc a priori, visuellement parlant, ça devrait pas trop changer, par contre sur le contenu, oui. Ensuite, et j'ai lu plusieurs fois le texte et j'ai du mal à voir à ce qui change par rapport à aujourd'hui, mais vous avez peut-être remarqué qu'en haut des requêtes, il y a des puces avec des suggestions de thèmes. Par exemple, en tapant Paris, ça propose PSG, c'est-à-dire une recherche connexe. Mais là, il y aurait une nouvelle puce sur les lieux, les sites d'offres d'emploi, d'achat de billets d'avion et de produits qui permettrait d'avoir des résultats des meilleurs sites. Donc de ce que j'en comprends, ça prendrait les meilleurs sites, et sur chaque site, ça prendrait les meilleurs résultats, et qui seraient donc dans ce carrousel, mais bon, comme je l'ai dit, je suis pas très très sûr. Mais d'une manière générale, les changements pour le DMA, c'est essentiellement d'avoir des résultats plus neutres. On quitte Google, et on enchaîne avec un problème sur Ubuntu, et qui peut être vu comme une faille. Le principe, c'est qu'en ligne de commande, quand une appli n'est pas installée, il y a une vérification qui est faite sur Snap et APT pour voir si un package existe, et dans ce cas-là, ce sera exactement comme sur la capture, ce sera tout simplement proposé. Sauf que des chercheurs ont trouvé une faille dans ce système, qui est lorsqu'il n'existe pas de suggestion. Et typiquement, c'est dans le cas de Snap, et dans ce cas, il suffit juste d'aller vite uploader un package, et hop, il apparaîtra ici.
Et en fait, c'est d'autant plus dangereux que ça apparaîtra toujours devant les résultats sur APT. Alors finalement, ça ressemble pas mal au package, vous savez, qui joue sur les fautes d'orthographe, et surtout ici, faites attention, parce qu'en gros, bah, il n'y a pas vraiment de solution simple pour corriger ça. Juste avant de finir cette partie, hier soir, OpenAI a présenté un nouveau projet qui s'appelle Sora, et qui permet de générer des vidéos à partir d'un prompt de texte. Et par contre, attention, rien n'est encore dispo. Alors selon leur dire, les vidéos sont plus longues et peuvent aller jusqu'à une minute, et surtout, la qualité serait meilleure que les solutions existantes. Alors là, je suis en train de vous montrer un exemple avec une vidéo de Tokyo sous la neige, et d'une manière générale, c'est plutôt convaincant. Donc je vous invite à aller sur leur site, car il y a pas mal d'exemples, et peut-être, qui sait, un jour, Dev Café sera généré avec ce truc-là. Donc en fait, je suis pas sûr, parce que faire des transitions aussi pétées que moi, il y a que moi qui sais les faire, et donc voici les actus en bref. Le mois de mai est toujours celui des conférences pour les développeurs, et Microsoft a confirmé que sa conférence Build se tiendra du 21 au 23, avec bien sûr de l'IA et du Copilot au programme. Maintenant, chez Apple, après le ramdam des premiers jours autour du Vision Pro, il semblerait que la mode soit de retourner le casque, notamment à cause de maux de tête et de problèmes oculaires. Et toujours chez Apple, l'ouverture de l'App Store et le sideloading ne veulent pas forcément dire ouverture totale d'iOS, puisque les émulateurs restent interdits, vu qu'ils nécessitent la compilation just-in-time, qui est prohibée, sauf pour les navigateurs. Ensuite, mercredi, l'action de la société Lyft a brièvement connu un pic de 60%, parce que lors des résultats financiers, un 0 en 3 avait été rajouté par erreur. Et toujours en matière financière, Bending Spoons, qui a notamment racheté Meetup ou Evernote, vient de lever 155 millions de dollars, pour ainsi dépasser les 2,5 milliards de dollars de valorisation. Toujours côté argent, si vous utilisez la suite Creative Cloud d'Adobe, les tarifs avaient augmenté le 1er novembre dans de nombreux pays, sauf en Afrique, en Asie et en Australie. Mais au 1er mars, les exceptions seront terminées. En France, l'opposition gouvernementale utilise souvent les amendements pour ralentir le passage des lois, mais l'IA pourrait rendre la pratique obsolète, puisqu'un LLM dédié est capable d'en résumer 10 000 en seulement 15 minutes. Toujours sur l'IA, si vous souhaitez publier des projets en open source, GitHub lance un accélérateur de 10 semaines, avec à la fois une dotation financière, des conseils individualisés, mais aussi en groupe. Ensuite, sur YouTube, quelqu'un s'est amusé à expliquer comment créer très rapidement des pull requests sur des repos publics. Verdict, celui d'ExpressJS se fait constamment spammer depuis. Et enfin, faut-il appeler les influenceurs des influx voleurs? En tout cas, une étude a montré que les 4/5 n'indiquaient pas la présence de contenu commercial, contrairement aux obligations européennes. On reprend avec Gemini, et d'ailleurs le nom peut prêter à confusion, parce que d'un côté il signifie un modèle, et de l'autre le successeur de Bard. Mais ici, c'est bien le LLM qui m'intéresse, et là-dessus, préparez-vous, parce que niveau versioning, c'est aussi le bordel. Mais la version Ultra a été présentée en version 1.0 la semaine dernière, et maintenant pour la Pro, c'est la 1.5 qui vient de sortir. Et comme vous voyez, le contexte est largement au-dessus des autres modèles, avec 1 million de tokens, et en gros, pour le reste du changelog, c'est tout en mieux. Mais surtout, si je voulais vous en parler, c'est qu'en parallèle, l'équipe de Dart a sorti un SDK pour directement appeler les IA de Google. Et par contre, attention, c'est pas 100% gratuit, parce que là je vous montre les tarifs, il y a un quota certes, mais c'est pas totalement illimité. Et l'autre nouveauté, c'est une extension pour Firebase pour que vous puissiez directement l'intégrer dans vos use cases. Par exemple, un utilisateur upload une image, et vous pouvez vous en servir pour en extraire la description. Donc voilà, maintenant que je vous ai dit ça, et que vous voyez que ça concerne plusieurs produits à la fois, je pense que vous comprenez pourquoi il n'y a pas eu de développeur preview d'Android 15. Et par contre, Flutter 3.19 est bien sorti hier soir, et là je vous fais un résumé très court, parce que soit demain, soit dimanche, vraiment je ferai une vidéo dédiée. Mais déjà, ils ont dévoilé leur roadmap pour cette année, et dans ce qui me semble être dans les mots-clés qui vous feront plaisir, ils disent vouloir investiguer pour améliorer le SEO en web. Et aussi, et toujours sur le web, avoir le hot reload. Et côté desktop, ils veulent apporter sur Windows et macOS les plateformes View, et donc avoir par exemple accès au WebView. Le reste, comme je vous l'ai dit, ce sera dans une autre vidéo, mais en gros, on le savait déjà, genre les macros sur Dart. Et pour ce qui est de Flutter 3.19, comme je vous l'avais dit, il y a enfin le bug du scroll à plusieurs doigts qui est corrigé. Côté widget, il y a des améliorations, mais en gros, rien de très révolutionnaire. Par contre, le plus intéressant vient d'Impeller qui supporte maintenant l'OpenGL sans plus de Vulkan sur Android, et ce qui permet donc bien de cibler toutes les versions. Et si au cas où ça vous dit rien, Impeller c'est un moteur qui remplace Skia et qui surtout offre des meilleures performances.
Mis à part ça, on a une réduction de la taille du moteur de flotteur et qui va presque faire gagner 350 kg. On a aussi un validateur de deep links dans les DevTools, le support des polices natives sur iOS pour éviter certaines incohérences, ou encore les templates Apple qui contiennent le Privacy Manifest parce que ce sera bientôt demandé. Donc voilà, je fais pas plus long, je vous ai mis tous les liens dans la description et donc on s'en reparle dans une autre vidéo. Et juste pour finir, histoire de pas faire que des techno Google, si vous cherchez à faire une API très facilement et tout ça en PHP, l'idée de Oink, c'est de faire tout ça en un seul fichier. Alors concrètement, vous avez un fichier à importer et chaque fonction que vous définirez sera automatiquement un endpoint. Le seul truc, c'est qu'il faut bien s'assurer de rediriger toutes les requêtes vers l'index.php. Par contre, le dommage de l'histoire, c'est que tous les endpoints ne font pas la distinction entre get, post et les autres méthodes, parce qu'en fait, chaque endpoint est accessible avec toutes les méthodes à la fois. Et bon, vu que le projet est assez jeune et que les modifs s'enchaînent assez vite, je pense qu'un fix arrivera assez rapidement. Et voilà, c'était tout pour cet épisode et je vous remercie de l'avoir suivi. Encore désolé pour mon manque de régularité cette semaine, et c'est pour ça que demain, vers 9h, vous aurez soit un dev café, soit une vidéo des nouveautés de Flutter, ou alors je ferai deux vidéos. Bref, en gros, vous verrez. Et pour sûr, revenez bien demain vers 9h, parce que pour sûr, il y aura une vidéo, et pour ça, pensez bien à vous abonner et activer la cloche, comme ça, vous ne le raterez pas. Allez, là, je vous souhaite un bon vendredi, et donc, on se dit rendez-vous demain.